sommes aujourd'hui sur la promenade des Anglais, au premier salon du chocolat et des saveurs d'exception. Donc, pourquoi le premier alors que pratiquement dans toutes les villes, il y a du salon du chocolat? C'est parce que justement les chocolatiers niçois sont très célèbres au niveau français et ils nous ont dit, Nice Expo, il nous faut absolument que vous créiez un salon du chocolat. Nous avons dit d'accord et nous avons rajouté et des saveurs d'exception parce que le chocolat et les saveurs d'exception 40 jours avant Noël, c'est Noël avant Noël et par conséquent, il fallait qu'on crée ce salon. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un pari réussi parce qu'il y a de tout. Il y a des chocolatiers niçois, il y en a qui viennent de la France entière, de Suisse, de l'Italie. Et par conséquent, ce premier rendez-vous est vraiment un succès. On peut dire qu'on a voulu donner une touche niçoise à ce salon puisque nous avons créé pour la première fois le Chocolive. Le Chocolive, c'est l'association du chocolat et de l'olive qui permet de donner une petite douceur chocolatée et nous espérons que le Chocolive aura un grand avenir et sera pour Nice ce que le Calisson est à Aix. Donc voilà, c'est merveilleux, des animations tout le temps, des sculptures que vous pouvez voir derrière moi. Les chocolatiers de la Côte d'Azur ont œuvré pour que ce salon soit vraiment au rendez-vous de tous ceux qui aiment le chocolat et je sais qu'ils sont fort nombreux car vous savez que le chocolat c'est bon, contient des polyphénols, pareil c'est un aphrodisiaque, c'est bon pour le cœur, c'est aussi anti-cancer, donc merveilleux. Et pour ceux qui auront des doutes et qui veulent dire pas de sucre et pas de gluten ou pas d'huile de palme, ben nous avons des gens ici qui font ce type de chocolat et donc on peut dire pas de problème. Au Salon du chocolat de Nice, on trouve vraiment de quoi satisfaire ses papilles et en même temps son corps parce que nous souhaitons que les visiteurs gardent un souvenir impérissable de ce salon.